Bonsoir à tous, une séance très hésitante ce jeudi pour le marché parisien qui termine finalement dans le vert. Et AXA poursuit le beau parcours réalisé depuis ses comptes semestriels. Le dossier profite aussi de la recommandation de Morgan Stanley. Du soutien aussi pour Saint-Gobain de la part d'un analyste après plusieurs séances difficiles. GDF Suez est lanterne rouge du CAC 40. Le régulateur nucléaire belge pourrait fermer deux réacteurs opérés par la filiale Electrabel plus rapidement que prévu pour des raisons de sûreté. Et puis Gemalto accuse la plus forte baisse du SRD. Troisième séance consécutive de consolidation après un plus haut historique de 65 euros atteint en début de semaine. Et on s'arrête sur la très belle séance de Crédit Agricole qui a même touché un plus haut de 4 mois. La banque a confirmé la réception d'offres de rachat pour sa filiale grecque Emporiki. Alpha Bank, National Bank of Greece et Eurobank ont fait des propositions de reprise pour des montants qui n'ont pas été communiqués mais qui s'annoncent d'ores et déjà symboliques. La Banque Verte est en effet pressée de couper les ponts afin de recentrer l'attention des investisseurs sur ses autres actifs plus sains, mais aussi de faire remonter un cours de bourse qui a plongé de plus de 76% depuis l'entrée en bourse à 16,60 €. C'était il y a 11 ans. C'est la fin de ce flash et votre prochain rendez-vous, c'est demain matin dès 9h30.